Du génie, Lionel Messi, il a re-signé à Barcelone cette semaine, c'est pas vraiment une surprise, non. On comprend pourquoi. Oui, ils veulent le garder évidemment les Barcelonais, il a signé Lionel Messi, on va revoir cette signature, c'était cette semaine, un contrat qui l'amène jusqu'en 2018 maintenant au Barça. Alors les chiffres, 16 millions d'euros par an, une clause libératoire surtout de 250 millions d'euros, c'est-à-dire que le club qui veut s'attacher les services de Lionel Messi devra débourser 250 millions d'euros, mais Lionel Messi n'est que deuxième sur le podium des plus gros salaires des footballeurs dans le monde, c'est assez bizarre, mais c'est Samuel Eto'o qui gagne 20 millions d'euros par an à Lanzi Makhachkala, c'est un club russe. Oui. Messi est deuxième devant Ibrahimovic. On peut dire que sur ce coup-là, Messi a zlatané Ibra. Merci.